Vous avez marqué 3 de trèfle. Quel chiffre ça peut correspondre? Alors je vais vous aider. C'est entre 1 et 13. 9. 3. 3. 9. 9, 5. Non. Non. Elle dit 3 et 3. 3 9 9 9 9 9 3 de trèfle, 3 de trèfle, 9 égale 9. 3 trèfle, 3, 3 fois 3, 9. Monsieur, si je vous dis le valet de carreau, alors je vais vous aider aussi, c'est entre le, allez, on va dire 39 et 52. Valet de carreau. Je marque valet de carreau. Valet de carreau. 48. On va faire l'inverse. Je vais prendre le chiffre 25. Le chiffre 25 peut correspondre à quelqu'un. Alors, évidemment, à une. À la Dame de cœur. Dame de cœur, alors. Dame de cœur, à vous l'honneur. Ouais, la dame de cœur, je suis étonné, elle a du calcul. Bon, on a dit. c'est bizarre un peu quand même. Il n'y avait pas le 48 là, tout à l'heure? Si, 48. 9. Oh non, ça va retomber pile poil sur cette carte. Bah, bien sûr. Bah, si. Sinon, c'est pas mort. Il va s'arrêter. Et on a dit. 25. Dame de cœur. Ouais. Et ça va être 25. C'est ça? Ça va être ça, mais c'est sûr que ça va être ça. C'est pas possible. Ouais. Alors, c'est quoi la logique? Alors, on a dit le 9. 9. C'était 3 de trèfle. Hé. Suspense. On a dit le 48 valet de carreau. 48 valet de carreau, c'est monsieur. On est tout dommage partout maintenant. Et le plus dur? Non, il a loupé. C'était quoi, 25 dame de cœur? Ouais. C'est ça? Impossible. Et voilà. C'était quoi?